Sam ? Hé, Sam ! Où es-tu ? Je veux te montrer quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Absolument incroyable. Allez, mon petit gars. Oh, te voilà ! Tu regardes encore les tortues ninja ? Ouais, je n'arrive pas à m'arrêter. Eh bien, essaye, car il y a quelqu'un qui voudrait te rencontrer. Et ça ? Oh ! Je te présente notre nouvelle amie de compagnie. On va voir comment ce petit rat va s'adapter ici. Oh, pardonnez mon ignorance, maître Splinter. Quoi ? Quel maître Splinter ? Non, Sam, c'est juste un rat. Ne faites pas attention à elle, maître Splinter. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Oh, Sam, ton imagination m'étonne vraiment parfois. Hé ! Où vas-tu ? Remets maître Splinter à sa place ! Laissons-lui le temps de s'habituer à cet endroit. Ne le dérange pas, Sam. Tu vas lui faire peur. Peur ? Non ! J'en suis incapable. Ouais, c'est ça. Bon, je vais partir quelques minutes. Tiens-toi bien. Oui, oui. Maître Splinter ! Maître Splinter ! Votre élève le plus fidèle est prêt à tout apprendre ! Êtes-vous venu m'apprendre l'art du ninja ? Oui ! Oui ! Je veux vraiment apprendre ! S'il vous plaît ! Sam, pourquoi déranges-tu le rat ? Je t'ai dit de ne pas faire ça. Je veux apprendre l'art ninja ! Oh Sam, c'est juste un rat. Il ne connaît pas l'art ninja. Mais il est très intelligent. Viens, je vais te montrer quelque chose. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais du bricolage ? Tu as raison, Samy. Du bricolage. Pour notre rat. Oh ! Un cadeau pour maître Splinter ! J'approuve ! Eh bien, pas tout à fait. Et Sam, ce n'est pas maître Splinter. À l'aide de ces morceaux de carton, nous allons construire un petit labyrinthe pour notre rat. Et tu seras surpris de voir à quelle vitesse il trouve la sortie. Labyrinthe ? Oui, les rats sont très intelligents. Ils arrivent rapidement à analyser leur environnement pour trouver un moyen de sortir du labyrinthe, même le plus compliqué. C'est très curieux. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les amis, l'un d'entre vous a-t-il un rat domestique ? Écrivez-nous dans les commentaires. Et ce labyrinthe, est-ce qu'il aura de spécial ? Il aura une sorte de porte tournante, un tunnel, un pont, une balançoire. En fait, tu verras si tu acceptes de m'aider. Bien évidemment, je ne voudrais pas rater ça. Super, alors allons-y. J'ai quelques pièces ici. Va chercher un spinner. Un spinner ? Oh, pas de problème, nous en avons plein. Et pendant ce temps, je vais faire une porte en forme de fromage. Si le spinner savon fera l'affaire ? Non, Sam, il nous faut un spinner ordinaire. Oh, d'accord. Et un spinner en chocolat ! Non, Sam, un spinner en plastique, un normal. Comme ça ? Oui, Sam, comme ça. Oh, pour le rat, je suis même prêt à sacrifier mon spinner préféré ! Quoi ? Sam, ça fait 6 mois que tu n'as pas joué avec. Mais, simple détail. Ok, tiens, regarde. Un triangle ? Comme un morceau de fromage ? Oui, il suffit juste de le peindre. N'en dis pas plus ! C'est parti ! Ouais. Et voilà. Et là. Rapidité, bien joué. Toutes ces astuces de peinture se sont avérées très utiles. Je vais coller le spinner sur la partie inférieure du fromage. Comme ceci. La première pièce du labyrinthe est terminée. Oh, dur d'être assistant. Oh Sam, ce ne sont que des petits bâtons. Eh bien, je suis fatiguée. Eh bien, va te reposer alors. Et moi, je vais faire une balançoire pour notre rat. Se reposer et ne jamais savoir comment on fabrique une balançoire. D'accord, alors regarde. Je vais mettre 5 bâtons ensemble, comme ceci. Je vais coller cette partie faite d'un bâton et du carton. Et un autre bâton avec des trous fera le support.
assemblons les pièces avec une brochette. Et voilà! Ouais! Sam, c'est pour le labyrinthe, pas pour toi! Arrête de pleurnicher, Sam. Regarde ici. C'est un terrain? C'est la base du labyrinthe. Tu vois les contours de toutes les pièces? On va coller le morceau de fromage ici. Et la balançoire, ici. Tu as aussi parlé d'un pont? C'est vrai, le pont est composé de deux parties. La base, qui ressemble à un rouleau, on va la coller ici. Et le pont lui-même, on va le coller à trois endroits. Mais ça ne ressemble pas à un labyrinthe pour l'instant. Je vois clair dans ton jeu. Oh, tu vas trop vite, Sam. On va d'abord coller toutes les pièces et ensuite, on fera les murs. C'est quoi cette partie? Un tunnel. Mettons ces supports sur les extrémités du tube. Tu nous trouves une place pour le tunnel? Laisse-moi réfléchir. Ici? Non. Peut-être ici? Non, Samy. Le tunnel sera juste là. Oh! Bon, d'accord. Comment suis-je censée connaître tes plans? Les amis, si vous voulez voir plus de vidéos avec des animaux sur notre chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de la cloche. On dirait un terrain de basket! Ouais, c'est le cas. Notre rat est peut-être sportif, qui sait? Eh bien, il aura l'embarras du choix. Ok, je vais signaler le départ. Et l'arrivée? Maintenant, il est temps de bâtir les murs. Nous avons des murs avec des trous. Et sans trous. Et bien sûr, l'entrée et la sortie. Et le dernier mur. N'oublie pas le tunnel. Bien sûr que non. Voilà. On va mettre cette petite porte au début. Sinon, le rat va vite s'enfuir. Tu n'oublies rien? Tu veux dire le toit? Je n'ai pas oublié. Viens ici. Recouvrons tout ça soigneusement. Oh! Le rat aura-t-il assez d'air? Bien sûr, Samy, il y a plein de petits trous qui laissent passer l'air. Ouf! Bon, d'accord. On appelle notre invité? Va-t-il aller? Et le rat entre dans le labyrinthe. On ferme la porte. Bien joué! Le rat passe la porte tournante du fromage. Tu crois qu'il va jouer? Et il arrive sur le terrain de basket. Il va aller sur le pont? Non, il a compris que c'est une impasse. Et il passe à travers le tunnel. Bien! Encore un peu. Et sorti! Youpi! Waouh! Si! J'espère que tu te rends compte maintenant qu'il est trop intelligent pour n'être qu'un simple rat! C'est Maître Splinter! Je vois ça, Samy! Je suis sûre qu'il sera heureux de t'apprendre l'art ninja! Les amis, donnez-nous un pouce en l'air si vous avez aimé ce labyrinthe pour rats! Et partagez cette vidéo avec vos amis! Bye bye!